Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien de l'agence Teammate pour un nouveau petit tuto. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un effet vignettage sur vos photos sur Photoshop. Alors qu'est-ce que c'est un effet vignettage Tout simplement, c'est un effet qui consiste à assombrir les coins de votre image. Donc généralement, on obtient cet effet quand, euh, quand on prend une photo avec un objectif grand angle. Mais je vais vous l'apprendre à, à le réaliser directement sur Photoshop, sur n'importe quelle image. Je vais vous apprendre donc deux techniques. La première technique, bah, c'est vraiment très simple. Hein, donc on va partir d'une image, par exemple celle-ci, je vous la mettrai dans les... On va juste cliquer sur filtre. Alors, ce qu'on peut faire même avant, si c'est peut-être pousser les niveaux histoire d'avoir une image un peu plus belle. Alors, on va. Si vous êtes sur Mac, vous allez appuyer sur les touches Commande et L. Ou si vous êtes sur euh, Windows. CTRL, donc CTRL plus L. Ici, je suis sur Mac, donc je fais Commande et L. Et là, vous voyez, il y a les niveaux là, qui, euh, qui apparaissent à l'écran. Donc, euh, bah, l'idée, c'est juste de booster. Vous voyez ici la flèche des noirs pour assombrir un petit peu les noirs de l'image. Les blancs, on peut les augmenter un petit peu pour éclaircir l'image. Donc, attention de ne pas non plus trop éclaircir pour ne pas cramer l'image. Donc, on l'éclaircit un petit peu comme ceci. Et puis, les grilles d'image, on peut aussi, ben, du coup, les augmenter un petit peu, voilà, pour, contre, bien, pour avoir une image bien contrastée. Vous voyez, par rapport déjà à la version que j'avais, c'est un peu mieux. Alors, comment créer un effet vignettage Eh bien, on vient cliquer sur filtre, on vient cliquer sur correction de l'objectif. Et ici, vous voyez, il y a deux onglets, correction automatique et personnalisé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet personnalisé. On va venir... Vous voyez ici dans le euh, dans la partie vignette, et là on va venir eh bien, pousser notre petite flèche vers la gauche. Donc on lui donne une valeur négative. Là vous voyez tout de suite eh bien, les bords de l'image s'assombrissent. Alors que le milieu, soit vous le poussez aussi pour bah, étaler cette, euh, cet effet, ou au contraire pour vraiment euh, n'agir que sur le bord et non pas sur, euh, sur le reste de l'image. Donc plus vous allez augmenter et eh bien cette flèche, et eh bien plus vous aurez euh, tout simplement des, des coins assombris sur votre image. Donc voilà, donc moi ici ça me paraît pas trop mal, hein. euh, je vais valider, je fais OK, voilà le filtre s'applique, donc là j'ai bien un effet vignettage sur les quatre coins de mon image. Si on fait CTRL Z ou CMD Z pour revenir en arrière, et qu'on revient voilà, à la version précédente, on peut voir que euh, bah, l'image est un petit peu plus mise en avant, je vais vous montrer une deuxième façon de réaliser cet effet. Donc euh, je vais recopier l'image que j'avais sauvegardée en amont. Je vais la coller par-dessus. On va venir cliquer sur calque, nouveau calque de remplissage, couleur dégradée. On ne le nomme pas, c'est pas très grave. Ici on va venir dans style se mettre en radial. En dessous de l'échelle on vient cliquer sur inverser, et là vous voyez qu'au niveau de l'échelle, on peut venir l'augmenter ou la diminuer. Pour simplement venir là estomper euh, bah, cet effet de vignettage. Donc on se met entre 180 et 180 et 200. C'est pas trop mal. On fait OK. Et là vous voyez que Photoshop nous a euh, automatiquement créé un masque juste à côté. Donc on se met bien sur le masque, on va prendre euh, le pinceau. On va bien se mettre en noir ici un premier plan. On se met en, en à peu près en 3500 au niveau de, de l'épaisseur. Pourquoi bah, Tout simplement parce que l'image est grande, vous voyez, elle est à 25 pixels, je ne suis même pas en taille réelle. Et euh, on va venir donner à peu près au centre de l'image des petits coups de clic, comme ceci, pour enlever bah, les zones un petit peu trop sombres de cet effet. Voilà, donc là on est. On est bien. Et si on double-clique maintenant sur ce calque. Et eh bien on va pouvoir lui appliquer une incrustation de couleur et pourquoi pas pour rester dans l'ambiance champêtre, on va dire, soit venir sélectionner eh bien la couleur de l'herbe avec la pipette ou encore la couleur de la vache. Voilà pour rester vraiment dans l'ambiance. On fait OK, on applique et voilà. Donc notre effet vignettage a bien été appliqué. Donc tu par exemple bah, si je, re, euh, je remasque ce calque, là aussi, bon, pas besoin de masquer, mais si je rapplique du coup mon image d'origine par-dessus, vous allez voir que si euh, on passe cette image en niveau de gris, donc là je vais fusionner mais je vais revenir en arrière après que si on rejoue un petit peu sur les niveaux, hein, on augmente un petit peu les noirs, on baisse un petit peu les gris et on augmente légèrement les blancs, vous voyez, et qu'on lui réapplique un filtre correction de l'objectif, qu'on se remette dans personnalisé, qu'on baisse en le curseur de la quantité, ici le milieu, ben, soit on le baisse, soit on l'augmente, ça dépend de l'effet recherché encore une fois, et que l'on applique... Du coup, le filtre. On peut s'apercevoir que le résultat est tout aussi sympathique. Et bien voilà, le tuto se termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sur la chaîne YouTube, soit par mail, hein, sur damien.steam8.fr. Si vous avez aimé ce tuto, vous pouvez vous abonner, ça nous fera super plaisir. En plus, vous serez tenu informé des prochaines sorties. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt.